paix, mais business spam, boss. Ça, c'est business spam, ni. Ça, c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita palé, pour kante expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yon qui dans la diaspora. Citoyens, femmes, kou gason, des pounan business ou vle fè business, nous invitons à écouter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission kapedo kwape la misère. Bonsoir tout auditeur, téléspectateur Radio Télé Guinée. C'est un immense plaisir pour nous avec nous aujourd'hui. Hein. Une fois encore dans l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, c'est une émission qui passe tous les lundis de 6h à 7h sur Radio Télé Guinée avec sponsor BRH, avec sponsor Dash, avec sponsor DDG, avec sponsor One Click et IC. Un remerciement spécial à Radio Télé Guinée pour support yo également. Changer que nous ka participer dans l'émission Ça c'est Business Spam si nous relé dans téléphone 34 95 22 32 42 47 43 11. Ça c'est Business Spam, c'est une production au Cap Observatoire Citoyen Cap Founijé Gadé. Nous connaît que wall émission Ça c'est Business Spam, c'est parler nous de technologie, de investissement, de entrepreneuriat, de tout ça qui gagne pour louer avec production richesse. Production richesse à travers mais nous, production richesse à travers tête nous, production richesse à travers ça nous gagne. Et je dis, production richesse à travers technologie. Technologie, son mot, tout le monde connaît Kounia. Parce que pas gagne un monde qui pas gagne WhatsApp, ou bien pas qu'on servir à WhatsApp, ou bien pas attendre parler de WhatsApp. Pas gagne un monde qui pas gagne Internet et téléphone qui j'en oublie le smartphone nous dit l'on mot plus intelligent, mais téléphone yo touché sous écran yo tout. Tout le monde connaît. Technologie rive caille tout le monde, que vous voulez, le couple la voulez, c'est une obligation pour technologie rentrer la caillou parce que qu'on y a de plus en plus n'a rentré dans une ère très technologique, n'a rentré dans un monde qui gagne technologie la donne pour toute bagaille. Mais une particularité dans technologie en tout, en dehors de technologie pour nous communiquer, technologie pour nous voyer dit qui j'ennuyé, technologie pour nous camarader des nouvelles, mais une autre partie dans technologie en tout qui relait e-commerce, technologie pour nous acheter. Il fut un temps que tout le monde était obligé de lever si au besoin de bagaille. Mais qu'on y ait, ou qu'acheter la caillou ou acheter son ouvrier. Depuis les années 80, nous commençons à rentrer dans le monde côté des transactions commerciales. Il était relayé dans le temps jusqu'à présent, mais qu'on y a divisé e-business, business par moyen électronique, qui transformait, ou du moins ce qui pas transformé en fait, qui divisait en plusieurs volets. Kounian qui gen volet e-commerce la donne. E-commerce lan salié son mot qui pas pi compliqué passer ça même s'il pas il pas traduit facilement dans langue créole là mais c'est commerce à travers yon écran en fait qui c'est un ordinateur ou bien qui c'est un téléphone portable. J'aime expliquer nous même j'en nous ka voyer nouvelle qui j'en nouyé l'autre bord de l'eau. C'est comme ça tout, nous ca acheter l'autre bord de l'eau, nous ca acheter Port-au-Prince, nous ca acheter en dehors, nous ca vendre à travers yon téléphone portable, à travers yon ordinateur. Jodi an nous invité une entreprise qui c'est maman causé en Port-au-Prince qui relé One Click. Nous en très bienvenue parce que c'est un petit clic ou fait et puis brusquement en pile transaction. En pile gros causé à réaliser. Nous invitons Frédéric Pierre qui sous plateau ensemble avec nous aujourd'hui pour lui parler nous de qui quantité bagaille que nous ka fait à travers yon petit clic seulement appuyer sur un bouton. Nous pas besoin déplacer, nous pas besoin gen visa, nous pas besoin gon billet d'avion sinon avec yon petit doigt, on doit en fait que n'appuyer sur un petit bouton, nous fait un pile gros causé et nous fait un pile acquisition comme ça tout nous ka fait un pile vente. Donc Frédéric Pierre, bienvenue sur plateau Ça c'est Business Spam.
jodi an map introduire en tant que responsable One Click pour parler nous un petit peu de où. Qui est-ce qui Frédéric Pierre? Qui Jean Frédéric Pierre tombé dans causé ou appuyer doué tout sur un petit bouton et puis ça fois marcher. Justement. Merci Kerline, moi profiter pour me saluer toutes téléspectatrices et téléspectateurs Radio Télé Guinée qui a écouté nous dans Port-au-Prince à travers 10 départements yo, et moun ki nan diaspora yo client nou yo surtout cap écouter cap garder Télé Guinée. Et One Click c'est One Click Industries, nous c'est une entreprise de technologie. Nous c'est première entreprise de technologie en Haïti qui développait commerce électronique ou bien ça encore les commerce mobile plus précisément. Donc moi-même c'est Frédéric Pierre, moi c'est un gestionnaire de projet, ça relé un CAPM certifié associate project manager. Moi travaille dans télécommunication, dans télémarketing et dans relations publiques pendant un pile temps et dans cadre développement de projet, nous té ap gade analyser besoin tangible qui gagne dans transformation commerce en Haïti. Question de accessibilité à service, à bien et question de facilité pour transaction qu'a fait yo. C'est comme ça en 2014 nous commencé réfléchir avec une cellule de travail et nous rivé mettre sous pied projet One Click Industries. One Click Industries premièrement son entreprise technologique. Nous bail des services de technologie qui est parti sous programmation, sous développement d'applications mobiles, sous développement web et surtout sous développement commerce électronique. C'est comme ça en 2015, nous introduit première application mobile commerciale en Haïti qui relé One Click to Buy. One Click to Buy, c'est première application technologique en Haïti qui permet que moun capable acheter que moun capable vendre tout entreprise et payer des services seulement avec un clic sur téléphone. Donc nous développer application mobile ça qui permet que nous capable acheter dans restaurant, acheter dans certains magasins et payer des services, services que moun a utilisé régulièrement sans nous pas besoin de déplacer. Pour qui ça nous venir avec lui? Nous comprenons premièrement une situation d'insécurité qui va le terrain depuis plusieurs années. Ça fait que des fois, les gens sont fait des transactions commerciales ou bien des transactions financières et ils ont attaqué. Pour ce faire, nous voyons que selon Conatel, dernière statistique, nous avons plus passé 6,9 millions de téléphones qui sont disponibles. Et dans tout téléphone, nous gagnons pratiquement 1,6 millions de téléphones qui c'est smartphone. Donc, ça veut dire que on clientèle de plus que 1,5 millions de personnes qui possèdent un téléphone smart. Je dis à un téléphone smart, c'est un téléphone écran ou caméra. Écran tactile, okay. Justement. Un téléphone intelligent que tout le monde gagne, que vous pouvez peser le bouton là-dedans. Donc, nous relais smartphone. Puis fort téléphone ça yo utiliser internet, heureusement gen des circuits d'internet wifi qui disponible et en même temps gagne tout avec opérateur qui souterrain yo des plans qui très légers que tout monde ka appliquer pour une journée, que tout monde ka appliquer pour une semaine sans pas besoin gen des gros abonnements. Donc nous dit que pour marcher ça, nous pral développer une application qui pral permettre que restaurant qu'on aimait manger là-dedans, qui trop loin travail ou qui trop loin bureau ou qu'a juste télécharger application ou monter sur One Click ou commander manger ou. OK. En pile information et m'ai l'impression que nous besoin détailler causer. Gon bagaille Frédéric parler, il dit service et commerce. Et point ça intéressé en pile. Qui différence ou fait entre service, qui différence ou fait entre commerce Frédéric? Justement. Le n'a parlé de e-commerce, le n'a parlé de service à distance ou bien commerce à distance, commerce électronique, gagne deux facettes. Commerce électronique, c'est pour entrepreneurs, pour entreprises et pour commerce qui décide de vendre client yo sans client pas besoin faire déplacement. Achat électronique, c'est permettre que client lui-même acheter sans pas besoin déplacer.
Très bien. Service là lui-même c'est permettre que ou payer en facture par exemple, que ou payer scolarité petit tout par exemple, que ou payer frais université petit tout sans ou pas besoin de déplacer. Yo, nous gain service ça d'une certaine façon parce que me changer que après tremblement de terre là en pile université te dit ou ka payer l'école petit tout sans pas besoin aller dans l'école là sinon directement la banque là mais également ou ka payer téléphone dans l'autre banque ou ka payer l'autre causé dans l'autre banque tout non c'est pratiquement même bagarre là imaginez justement différence qui gagne la donne c'est que nous éviter transaction traditionnelle là. OK. Ça on click to buy poté buy public haïtien c'est confort. Ça veut dire que ou pas besoin déplacer pour faire transaction. Pendant chita dans émission, pendant chita dans bureau, ou caraler téléphone ou commander son besoin. Manger tout. Manger ou ca commander dans magasin. Ou qu'à payer facture abonnement, ou qu'à faire plusieurs transactions. Maintenant, je dis à OneClick, il y a 19 commerces qui sont affiliés avec elle. Ça veut dire que la gamme de produits que nous sommes capables de bailler public là, est limitée par rapport à commerciaux qui peuvent entrer dans la logique technologique, qui peuvent comprendre la technologie, qui peuvent affilier avec nous. Mais nous gagnons une large gamme de services que nous avons offert à partir de plateforme OneClick là qui existait. Maintenant, en termes de services, nous avons payé des abonnements, nous avons payé l'école, nous avons payé facture directement sous téléphone. Donc, nous avons 19 entreprises qui bâillent services à travers Internet. Nous avons 19 entreprises en Haïti qui sont affiliées avec OneClick pour le moment. Okay. Maintenant, nous travaillons avec structure de vente, nous travaillons avec structure commerciale, avec direction commerciale, nous, pour nous atteindre plus de commerçants, pour plus de comprendre la logique e-commerce là, et pour nous adhérer à OneClick. Très bien. En fait, il y a un point qui est très intéressant, parce qu'en général, moi toujours tendé que l'on a acheté, en fait, c'est surtout Port-au-Prince ou acheté, ou bien c'est surtout Haïti ou acheté, ou pas vraiment acheté. C'est surtout à l'étranger ou acheter en fait, c'est pas Haïti, sinon acheter beaucoup plus à l'étranger ou pas vraiment acheter en Haïti ou pas vraiment des services en Haïti. Si on bagay qui attire attention en pile, c'est le fait que li dit 19 entreprises haïtiennes déjà affiliées à service ça. Ça veut dire que nous commencer valer terrain dans sacré les technologies, nous commencer rentrer dans modernisation et c'est quand même un appel très important pour tout entrepreneur qui a suivi l'émission pour être approcher parce que ça permet de réaliser des transactions beaucoup plus rapides, ça permet de réaliser des transactions beaucoup plus sécurisées et ça permet tout économiser tant c'est l'argent lié en fait. Donc ou mettre continuer c'est juste petit point ça me devrait faire. Justement. Donc et Jean nous dit one click pour te faciliter ça bail commerçant pour te faciliter ça bail et client yo pour que sans yo pas besoin de déplacer sans yo pas besoin de risquer yo dans des situations difficiles pour yo capable joindre service yo besoin joindre produit que yo remet. Donc Jean dit là jodi a gon certaine réticence souvelé à la nouveauté gon certaine crainte à la technologie mais surtout gon crainte comme carré qui local parce que en pile monde utiliser des sites international pour acheter produits, en pile monde utiliser des sites international pour acheter ça au remet. Maintenant différence qui gagne c'est que premièrement pas gon interlocuteur immédiat, deuxièmement ou limité dans temps que yo proposer pour livraison hein? Et troisièmement pour récupérer li, il faut qu'on aller à l'étranger ou bien qu'on ait moun à l'étranger qui peut déplacer vin Haïti pour rendre un service là. Donc, one click, ça qui est intéressant là-dedans, c'est la livraison. En dehors de structure de commerce électronique qui existe, nous gagnons un service logistique qui fait livraison dans Port-au-Prince dans 30 minutes au maximum dans une heure de temps. Et dans les villes de province, dans 24 heures. Ça veut dire que m'acheter l'autre bord de l'eau et me joindre à faire dans 30 minutes localement. Ah OK. Ou acheter localement dans commerce qui enregistré avec nous et dans moins que une heure de temps nous livrer ça dans pas porte la caille. On parler de service yo. N'a parler de
produit yo, okay. Et service yo, c'est instantané. Okay. Ça veut dire que vous payez un abonnement, à la minute que vous finissez payer l'abonnement, il est disponible pour vous. Okay. Ou payez un service, à la minute que vous finissez payer, il est disponible. Vous avez parlé ou payez l'école hein? Petit tout, à partir du moment que vous finissez peser le bouton payer, il est disponible. Maintenant, pour un restaurant, vous commandez un plat, vous commandez un service, automatiquement vous finissez commander ou finissez payer, dans 30 minutes, nous livrez dans la porte de la caisse. Livraison faite par one click? Livraison assurée par one click. Assurée par one click. OK. Vous m'avez continué, en fait, m'a posé des questions parce que c'est quelque chose de très intéressant. Justement. Donc, je dis à nous travaillons d'arrache-pied pour nous renforcer la capacité one click en termes de disponibilité. Pas oublier que nous avons plus que 1,6 million de téléphones intelligents qui sont disponibles. Mais ça ne veut pas dire que 1,6 million de détenteurs SAO yo gon carte bancaire pour yo font transaction. Donc plateforme OneClick là, li utilise un carte bancaire. Ça veut dire un carte crédit ou bien un carte débit. Automatiquement on moun gon carte de crédit ou bien un carte de débit, li capable utiliser pour le payer sur OneClick. Par contre, gon grande majorité de population que nous visé a qui pa gen accès à un carte bancaire. Depuis le mois de décembre 2016, OneClick signé un contrat de partenariat avec Natcom et ça pral favoriser que des clients, des utilisateurs de téléphone capables de payer avec crédit que vous gagnez sous portefeuille électronique yo, sous plateforme OneClick. Maintenant, ça favorise inclusion dans le système commercial là, inclusion dans la technologie de commerce. Bon, mes amis, bam, font un petit résumé pour nous. C'est un peu d'informations très intéressantes. En général, on achète à l'étranger. Leur parler de e-commerce, nous toujours tout de suite un code de crédit. Parce qu'on pas capable acheter sous pas un code de crédit. Il faut qu'on ait un moyen pour payer. Et seul moyen jusqu'à présent qui existait, c'est la carte de crédit. Mais étant donné que en Haïti, pas tout le monde qui a un code de crédit, donc, ou ka fèl avec minute qui sous téléphone, c'est bien ça, crédit. Minute qui sous téléphone. Avec donc, portefeuille électronique qui existait sous téléphone. Yo. Maintenant, on travaille avec Natcom pour nous jouer une facilité qui pourrait permettre que justement avec fonds sous téléphone, yo, capable de payer service. Minute, yo, en fait, parce que en fait, c'est l'argent qui a converti justement. Exactement, c'est l'argent qui mette sous téléphone hein, pour utiliser, pour faire appel. Comme ça, pas utilisé pour appel. Sinon, l'a utilisé pour acheter son vlier. Donc, c'est crédit sur téléphone. Nan. Donc, c'est super intéressant. Ou pas, kounyen, ça veut dire, si vous n'avez pas de carte de crédit, ou pas un problème. Ou pas acheter l'autre bord de l'eau quand même, avec minute qui sur téléphone, ou an, mais sur bon téléphone, Natcom. Justement, maintenant, pas oublier que n'a parlé de commerce électronique, n'a parlé de Haïti. Encore une fois, produit que nous vendons, service que nous offrons, c'est des services locaux. Maintenant, qui facilite ça baille? Ça baille tout que un monde qui est dans la diaspora, qui veut faire une famille un cadeau en Haïti, qui veut faire une famille une surprise en Haïti, de télécharger l'application OneClick là et l'utiliser justement pour faire transaction ça. Donc, OneClick vient avec une nouveauté. Nous voulons que la population comprenne. Que on téléphone pas seulement résumé à faire photo, parler sur WhatsApp, checker Facebook, ni ça nous fait régulièrement. On téléphone sont outils qui permettent que on monde réglementer la ville. On téléphone sont outils qui permettent que les vins tout nos portefeuilles électroniques ou capable payer service, ou capable acheter produit, ou capable organiser abonnement, planifier paiement à partir de téléphone. Là. Donc, c'est dans ce sens que OneClick Industries utilise les premiers outils pour lancer le premier projet technologique qui est OneClick to Buy. Et à partir de là, nous commençons déjà à développer l'autre cause que OneClick pourrait proposer d'ici mois de mai, mois de juin, by population. Merci un peu, Frédéric. Mais au grand mot d'utiliser, on parlait de télécharger une application. Vous capable mon petit Jean plus d'informations sur ça? Télécharger une application, ça veut dire c'est pas seulement monter sur téléphone et puis acheter. Donc faut qu'on comme faut si une application. Application. Quand on a joué comme un cobli coûté.
One Click to Buy disponible sur Google Play et sur Apple Store. Ou seulement besoin monter sur Google Play sur téléphone ou, si c'est Android, monter sur Apple Store sur téléphone ou, si c'est un téléphone et Mac et ou à taper One Click to Buy. O N E chiffre 2 B U Y, ça fait One Click to Buy. O N E C L I C K chiffre 2 B U Y, et automatiquement on prend une belle petite photo bleue avec logo One Click là en ça vert dans l'écran, j'en parlais dans l'écran là, et on va télécharger. Bonne nouvelle, c'est que One Click gratis tiché. C'est pas application pour al koto ni 99 centimes ni 1,50 $ ni 50 centimes, son application gratis. À partir du moment qu'on télécharge One Click sur téléphone ou, ou a gagné en gamme de produits et de services disponibles sur écran. Jodi a nous gagne 9 catégories différentes. Qui service par exemple? Nous gagne pratiquement service abonnement, nous gagne service de paiement, nous gagne restaurant, et dans chaque catégorie ça yo ou gagne plusieurs commerces. Ça veut dire que l'on rentre dans restaurant, ou a besoin plusieurs restaurants de la place qui disponible. L'on rentre dans abonnement, ou a besoin plusieurs structures qui disponible, et ou choisi service qu'on besoin dans 1 minute transaction disponible. Maintenant, l'on va utiliser One Click pour payer, l'on fin choisi service qu'on besoin, ou pral monter maintenant sous paiement, la mando enregistrer. Ou pral entrer nom, numéro de téléphone, adresse que vous voulez que vous livrez pour vous si c'est un produit que vous achetez. Et du coup, information vous montez, vous entrez carte de débit ou bien carte de crédit qui est disponible pour faire paiement. Paiement process, son transaction qui fait dans maximum 1 minute. Maintenant, automatiquement que transaction est bouclée, est confirmée, eh bien, si son produit que vous commandez, dans moins que 1 heure de temps, la livrer si c'est dans Port-au-Prince. Maintenant, pour un service, soit payer abonnement Internet, soit payer EDH, soit payer de l'eau, automatiquement que transaction en bouclé, li disponible, service là disponible. Donc, oui. En gros, c'est ça que One Click offre. One Click offre le confort, One Click offre aisance. Les permettre que client pas déplacé, les permettre que client rete dans chambre, dans bureau, la caille, dans salon, côté lié à li commander un produit que le besoin, li payer un service que le pas gain ta payer. Très bien. On parle en pile de production locale, de entreprise locale yo. Mais nous connaissons tout. Par exemple, moi j'ai un auditeur qui pose une question déjà qui dit est-ce que si en dans One Click, est-ce que moi ka acheter sur Amazon ou bien sur eBay? Non. M'a dit que One Click industrie, c'est une entreprise locale, c'est une entreprise haïtienne. Et yon nan bagay que nous a aidé, c'est renforcer la production nationale. Maintenant, ça One Click fait au contraire, c'est que One Click gon plateforme qui disponible pour un peu plus que 4 millions haïtiens qui dans diaspora. Maintenant, on entreprise qui locale, on entreprise qui en Haïti, qui gagne des produits que le veut exporter, One Click c'est meilleure plateforme pour utiliser pour que haïtiens qui dans diaspora capable consommer produits. À ce moment-là, puisque One Click son application mobile, il pas limité par Haïti, n'importe côté sur la planète là on peut télécharger One Click. Maintenant, des entreprises qui gagnent des productions intéressantes nous capables de faciliter justement que nous connecter avec les Haïtiens de la diaspora pour que nous exporter produits que nous gagnons by diaspora et by moun à l'étranger. Donc, si vous comprenez bien, One Click fait bagarre dans le sens contraire. Dans parce sens que en général, il y a des entreprises, entreprise qui existent déjà en Haïti, qui servent avec Haïtiens pour acheter l'autre bord de l'eau. Nous-mêmes, nous servons à produits ici pour nous vendre l'autre bord de l'eau. Justement. Donc, des produits intéressants, produits artisanaux, produits de confection, nous sommes capables d'exporter, s'il y a des commerces qui sont intéressés,
qui fait des produits qui sont très intéressants, nous capables de mettre dans la gamme One Click là et permettre que un monde qui est à l'étranger qui veut produire ça, eh bien, il télécharge l'application, produit est disponible, du coup, il est capable de joindre produit ça sous application. Par contre, un monde qui est à l'étranger qui veut faire une famille, un ami, un cadeau en Haïti ou bien payer abonnement pour une famille ou bien payer l'école pour une famille, payer université pour une famille, 11 amis, il est capable d'utiliser l'application et il fait paiement ça directement. Donc c'est pour avec carte de crédit s'il l'a. Avec carte de crédit s'il l'a. En Haïti, il a fait avec minutes sur téléphone et tout. Oui, ça l'a effectif d'ici mi-mars ou plus tard en avril, l'a disponible, nous commencer processus d'intégration nous avec Natcom, nous commencer faire des tests sur l'interconnexion, donc qui va permettre que ça est possible. Donc c'est pour nous dire que technologie elle est très vaste, elle est très grand. Malheureusement en Haïti pour qu'on gagne cadre pour être capable de permettre que nous utiliser technologie ça à bon escient. Heureusement, il y a des lois qui commencent à voter, nous gagne une loi sur la signature électronique qui vote et qui c'est un gros coquin chaîne poids dans balance là qui permet que maintenant one click pour gagner plus facilité pour offrir un plus large gamme de services à la population haïtienne. OK, moi juste une grande question avant de poser une question à auditeur qui est très intéressant. Question maintenant c'est que monde qui est à l'étranger, combien de temps il y a pour durer pour être capable de joindre produit ou commander en Haïti parce que moi connais un délai pour Haïti parce que nous avons plein de monde dans la diaspora qui attend de nous tout. Il y a monde dans la diaspora qui achète un produit one click. Sous one click en fait, l'achat produit artisanal. Combien de temps que n'a besoin pour moun sa recevoir produit là l'autre bord l'autre côté lié un et deuxièmement le nous dit l'autre bord de qui pays n'a parlé est-ce que c'est tout pays sur planète là ou bien des pays spécifiques qui ont relation avec Haïti. Pour le moment nous très concentrés aux États-Unis plus particulièrement on a fait des tests en Floride. Donc à partir de là nous capables de servir pour le moment un marché américain. Maintenant, il y a deux volets. En premier volet, grâce à partenariat que nous avons disponible en Floride, des commerces qui intéressés qui ban nous des produits qualifiés qui capable exporter, nous avons première possibilité de stockage et en deuxième possibilité de vente immédiat côté que le SAA client qui à l'étranger prêt à attendre délai régulier que courrier utilisé pour faire livraison. C'est même bagarre là qui fait soit acheter sur eBay soit acheter sur Amazon. Donc à ce moment délai de courrier régulier yo, c'est les mêmes que client qui est à l'étranger dans la diaspora prêt à attendre. Maintenant dans quatre partenariats que nous développons j'aime dire avec des disponibilités que nous gagnons dans la Floride, si il y a des produits qui qualifiés pour de commerce local, nous capables stocker en Floride et permettre que livraison ça fait de manière plus facile et plus rapide. OK. Et dernier, m'a posé une question avant d'aller dans pause qui est une question qui est très intéressante quand même. Un auditeur qui m'a demandé pour qui ça son nom étranger, nous bali pour qui ça son nom anglais, pour qui ça c'est one click nous relil. M'a dit que c'est pas un mot étranger. Malheureusement, nous pas une langue scientifique. Côté nous tape qu'à traduire clic on doit être on t'y doit on doit être n'est pas forcément un ah, clic parce okay. que vous utilisez doit là pour faire clic là ah voilà donc okay. et c'était pas souci de créativité que nous utilisons one click qui veut dire on clic mais nous pas de cas joindre un mot qui créole thématique pour nous traduire clic donc nous pas étrangers au contraire n'a renforcé production nationale et n'a renforcé Haïti à travers le commerce électronique. Merci un peu Frédéric, n'a retourné dans un instant mais quand même son information qui paraît moi très intéressant et que moi pensais que moi ta doit redire encore. En général, nous toujours gagnons plateforme électronique qui permet nous acheter l'autre bord de l'eau parce que nous pensons que tout ça n'a besoin, tout ça a besoin, nous qu'à joindre l'autre bord de l'eau ou du moins nous pas besoin d'équivalent. Il est un fait que des produits que nous pas qu'à joindre et en Haïti mais nous qu'à joindre nous pas qu'à joindre l'autre bord de l'eau mais nous qu'à joindre équivalent. Nous qu'à joindre des produits d'autres choses qui ba nous des fonctions similaires. Mais nous toujours penser tout de suite pour aller vers l'international, vers l'étranger. C'est quand même bien que nous avons plateforme électronique qui renforce la production nationale. Moi-même, j'ai trouvé que son initiative intelligente et son initiative qui n'est que honorable. Parce que, en fait,
c'est bien que n'a parlé de production nationale, n'a parlé de consommer local, mais nous pas créer moyen pour monde qui a consommé local, nous pas créer facilité pour monde qui a consommé local sans souci, sans inquiétude. Avec One Click, nous gain 11 gens pour nous acheter sans pas besoin la banque causer la caille. Avec One Click, nous ka gain ça nous a chercher devant porte nous. Si nous porte presse en une heure de temps, si nous l'autre bord aller en province en moins de 24 heures. N'a pas retourné dans un instant pour nous continuer à parler en pile sous plateforme électronique ça qui permet nous faire en pile bagaille avec un téléphone, yon internet et puis tout yon écran, yon ordinateur et n'a continuer avec même sujet ça sous émission. Ça c'est Business Spam dans un instant. Restez branché, pas bouger parce que nous gain en pile l'autre information n'a pas baou dans un instant. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita palé, boukante expérience ak lot businessman ki nan peyi a, et sa de Business Spam se yon zouti dialogue entre entrepreneur ak l'état, entrepreneur ki nan peyi a, si la yo ki nan diaspora, citoyen, femme, kou gason. De pou nan business ou vle fè business, nou evito koute et gade sou Radio Télé Guinée. Chak lundi, soti 6h tapan pou 7h. Ça c'est Business Spam, c'est seule émission Capedo Kwapi la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, on vient assurer on a. AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, Pam, c'est Anne et moi, c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC. C'est choix Pam. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. OneClick, c'est la première application mobile pour acheter en Haïti. Avec un clic sur téléphone, vous êtes capable de régler facture, payer l'école petit tout, commander manger dans un restaurant ou bien acheter dans un magasin. Pour plus d'informations, relez-nous dans 425 25 425 ou soit visitez-nous dans www.oneclick.ht. Yeah, pépé, mais Business Spam, boss! Ça, c'est Business Spam, ni! Ça, c'est Business Spam! Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita palais, boukante expérience ak lot businessman ki nan peyi a, et Ça c'est Business Spam c'est un outil dialogue entre entrepreneur ak l'état, entrepreneur ki nan peyi a, si la yo ki nan diaspora, citoyen, femme, kou gason. De pou nan business ou vle fè business, nou evito koute et gade sou Radio Télé Guinée. Chaque lundi, soti 6h tapan pou 7h,
Ça c'est Business Spam. C'est seule émission qui peut donc couper la misère. Pam, nous retournons sur le plateau comme chaque lundi. Et jeudi, on nous parlait de commerce électronique en fait. Et j'aimerais te dire avant pause là, en général, nous toujours penser à commerce électronique, une plateforme, une possibilité pour nous acheter à l'étranger. Mais il y a une entreprise haïtienne locale 100% qui vient avec une initiative nouvelle qui c'est possibilité pour nous capables acheter par voie électronique à travers une plateforme qui est le One Click Industry, produit local haïtien. Sur tout territoire haïtien, mais possibilité tout pour les gens qui sont dans la diaspora et les gens qui sont à l'étranger, qui ont accès à produits locaux haïtiens pour acheter tout. Donc, OneClick fait exactement le contraire de plateforme électronique traditionnelle yo, qui se permet nous acheter en pile sur Amazon avec sur l'autre et site international. Sinon, OneClick permet nous acheter depuis Haïti produits locaux en Haïti et l'autre bord de l'eau. Pour nous débattre sujet ça, pour nous bien comprendre, nous avons invité le président OneClick, Frédéric Pierre, qui est sur le plateau ensemble avec nous et qui a partagé un peu d'informations intéressantes. Frédéric Pierre t'a parlé nous avant nous déplacer, avant nous aller dans la pause là. Frédéric Pierre t'a parlé nous de différents services que OneClick t'a offrir. Il offrir des services pour nous ca acheter avec carte de crédit, il offrir toute possibilité pour nous ca payer et l'école petite nous pour nous ca payer abonnement téléphone, abonnement électricité à travers un clic. Mais ça qui était plus intéressant et qui t'a attiré attention nous en pile, c'est le fait que ou pas besoin forcément une carte de crédit ou une carte de débit pour faire acquisition possibilité service ça que offrir à travers de plateforme ça. Sinon avec minutes qui sous téléphone nous parce que OneClick en partenariat a travail collé serré avec compagnie Natcom pour capable gain possibilité pour acheter sans pas gain un code de crédit sinon avec minutes qui sous téléphone nous. C'est très facile en lieu et place qu'on servir avec l'argent mettre sous téléphone pour faire appel ou mettre comme sous téléphone pour acheter produit. Nous pral continuer avec toute question auditeur et téléspectateur te poser nous sous cause OneClick ça et n'a bay Monsieur Frédéric Pierre, la parole pour nous parler nous beaucoup plus de qui ça le gagne en Jacoutli, qui ça le serré et qui ça nous pourra joindre puis devant qui très 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 intéressant. N'a pas commencé à rentrer dans la question parce que un pile auditeur et téléspectateur a bombardé nous à question et moi-même moi estimé que c'est une opportunité en or que nous gagnons pour nous gagner mettre un clic sur plateau pour nous poser la question directement et pour lui ba nous réponse là changer auditeur et téléspectateur si question posée nous pas gain temps répondre c'est pas oublier n'oublier c'est temps pas gain ou mettre monter sur site là ou après vérifier ou suivre nous sur Twitter ou joindre réponse question yo. Donc pour nous recommencer rapidement parce que question en pile nous gagne un monde qui pose une question qui très intéressant il dit une entreprise son restaurant 100% manger créole. Qui j'en le café pour le rentrer dans OneClick? Entrepreneur, parce que nous parlons en pile de services, mais nous ne parlons pas de qui j'en entrepreneur qui a approché de plateforme OneClick pour vendre services. Justement, nous avons un site web qui est www.oneclick.ht où nous avons monté sous lit et nous remplir la forme ou adhérer comme un commerçant et nous faire suivi avec vous pour nous vérifier que commerce a existé, stock a existé, que ou en règle avec la DGI et à partir de ce moment nous fait processus d'enregistrement et nous mettez gamme, nous mettez produit yo dans gamme que nous gagnons pour ça. Et si son produit qui nouveau que nous pas gagnons dans gamme, nous créer catégorie pour nous capable ajouter. Donc en fait, pour un entrepreneur qui entrer dans plateforme OneClick là, faut entrepreneur ça formel. Oui, faut qu'on ait patente à jour. Et il faut que son entreprise enregistrée proprement. Et puis, à partir de ce moment, nous ajouter aux sous-bases de données, nous ajouter produits dans le listing nous, et nous mettre en ligne. Mais pour qui ça? Parce que nous connaissons que y a un pile commerce intéressant qui n'est pas forcément formel. Est-ce que par une possibilité tout pour nous travailler avec le secteur informel? Et moi, je pense que Jean n'a développé à Haïti besoin de rattraper le train du développement. Donc, nous-mêmes, nous encourager que tout entrepreneur rentre dans un cadre formel. Par exemple, si une entreprise par une patente, elle n'a pas gagné un compte en banque, le OneClick vend sur la plateforme, il faut nous gagner un moyen pour nous retourner
montant ça. Payer. Payer. Maintenant, pour entreprise link connecté avec système nous, faut que tout appareil yo mis en place. Donc nous encourager fortement que entreprise yo rentre dans formalité a qui pas vraiment grand chose que ou aller dans DGI ou avec nom que ou gagnant ou enregistrer patent tout ou faire suivi yo et ça son processus qui pas durer plus que 15 jours pour un entrepreneur setup patent li. Maintenant plus tard la va faire suivi dans le ministère du commerce pour formaliser. Donc, au début ça nous demandait c'est pas matricule fiscale non, sinon c'est patente là. Oui, patente là, ça les vini avec ça donc que entrepreneur que entreprise là gagne une patente formellement enregistrée dans des GI parce que nous pral prélever TCA sous client qui a acheté, il faut que TCA ça li verser bail commerce pour commerce verser le bail des GI correctement. OK, moi j'ai une autre question tout. Ça veut dire que moun caché dans un clic yo sûr que a jeune produit parce que moun qui est enregistré avec un clic entrepreneur yo c'est des moun qui justement parce que nous gagnons des procédures de des cautions qui permettent que client qui a fait affaire avec un clic là li assuré. C'est-à-dire que gagne des procédures de d'évolution si n'a gagne pour nous retourner en marchandise que le pas gagne procédures de paiement gagne tout ça donc faut nous mettre client qui a utilisé plateforme là en sécurité en confiance parce que son monde qui va utiliser un carte de crédit son monde qui va utiliser un carte de débit nous même nous gagne des policies internationales merci qui que plateforme là que on mandé nous dans plateforme là pour nous respecter pour transaction capable passer donc même politique ça yo nous mettez pour client qui a utilisé application pour assurer que yo fait des transactions qui viables, yo fait des transactions qui protégées et services que nous promettons, c'est des services que nous livrons. Donc c'est pas un jouet en fait. Non, c'est pas un jouet. On a parlé de commerce électronique avec tout ça, ça a gagné comme implication là-dedans, que ce soit en matière de logistique, que ce soit en matière pénale, il faut que nous respections confidentialité information que client bail sous plateforme là et il faut que nous rassurer tout que client recevoir ça que lui acheter sous one click. Donc c'est pour ça que commerce qui est affilié avec nous, c'est des commerces qui correct, c'est des commerces qui conforment pour que nous-mêmes nous cas suivent politique que nous bail client yo comme assurance. OK, très bien. En pile nous gagne l'autre question tout et si me besoin acheter produit artisanal, est-ce que me cas joindre sous one click, m'imaginer que oui. Pour le moment, nous gagnons les produits de VV collection qui est disponible sous one click et j'aime dire là nous était très ouvert parce que écoute, son espace tellement intéressant qui permettent que un artisan par exemple dans Jacmel qui fait des produits artisanaux pas besoin de déplacer vers un nouveau shop dans Port-au-Prince pour le vendre by mon Port-au-Prince, il est capable affilier à un clic et permettre que ça fait directement. Un marchand qui vend n'importe qui côté qui gagne une structure un shop au Cap Haïtien, il pas besoin de rentrer pour Port-au-Prince pour venir desservir un client dans Port-au-Prince. Okay. Donc nous c'est une plateforme qui pral permettre vraiment l'inclusion commerciale, la décentralisation à travers le commerce électronique. Merci en pile Frédéric et si gon question si m'acheter un produit artisanal, est-ce que me ka voyer la travers one click à l'étranger? Bien sûr. Donc mon n'a ka acheter tout et puis li mais... En fait, est-ce que le vin a produit en physique ou non, bien non, c'est non, sous... Non. C'est un commerce qui fait produit artisanal. Par exemple, un shop artisanal qui est capable de vendre produit lui sous one click. Donc, ça veut dire c'est que... pas un artisan malheureusement pour le moment, mais c'est un commerce. Donc, en fait, mes mêmes questions, j'ai l'impression que c'est si m'acheter produit. Hein. Si m'acheter produit, on peut le one click. Non. C'est faut que l'acheter produit. Hein. Tout ça nous fait les online. OK. One click par une boutique, one click par un magasin qu'on peut aller acheter la donne. One click son application mobile qui gon magasin en ligne, nous dit en ligne pour nous faire thème dans plus facile mais qui gon magasin mobile, un magasin portable. Donc, leur télécharge application sur téléphone nous lui permettre qu'on ait accès à catégorie que nous gagne disponible et sous catégorie ça yo joindre des magasins ou joindre des produits qu'on capable acheter et nous assurer livraison pour une adresse qu'on mande là. Est-ce que l'arrivée dans toute ville province? Pour le moment nous
très actif pour Port-au-Prince. Nous avons fait des pilotes avec Jacques Mel, avec les CAI. Et nous souhaitons que d'ici juin, juillet, pour les grandes vacances, nous avons national. Nous travaillons d'arrache-pied pour mettre les structures logistiques nécessaires dans différentes grandes villes. Et nous sommes sûrs que d'ici avant la fin de l'année, nous sommes disponibles dans toutes les grandes villes. Une question qui est intéressante, même j'ai l'impression que l'auditeur n'a pas formulé bien. En fait, comment y a un monde qui est intéressé à arriver à jouer un système business ça, pour participer là-dedans d'une façon ou l'autre? Donc, en fait, je me demande si ce n'est pas livre dit, moi, je suis entrepreneur, je vais aimé vendre produit sur un clic. Et ou bien si vous voulez dire, moi, son entrepreneur, je vais acheter des produits sur un clic, en fait. Mais de toute façon, réponse rapide. Vous avez déjà répondu et n'a pas été entrepreneur, mais bon, mon petit réponse rapide sur ça. Les deux possibles. Je dis à One Click Industries, développer plateforme ça qui est One Click to Buy, qui a favorisé commerce électronique en Haïti. Donc, ça permet que un entrepreneur qui a un business formel, qui veut extraire un produit lui bay plus moun qui veut faire produit lui rive joindre plus moun dans population li capable intégrer plateforme One Click to Buy là nous mettez le sous li et nous permettre que plus que 1.5 million de détenteurs de téléphone mobile gain accès à elle et plus que 4 millions d'haïtiens qui vivent dans diaspora gain accès à elle. En même temps, un moun qui pas besoin déplacer pour acheter produit pour payer service, tu es capable d'utiliser plateforme OneClick là justement pour faire transaction à l'aise la caille dans bureau n'importe côté. Est-ce que c'est seul Natcom, auditeur mandé, est-ce que c'est seul Natcom qui a possibilité, est-ce que c'est seul Natcom ou qui a une possibilité pour acheter produit OneClick? Oui, pour le moment c'est avec Natcom que nous avons un contrat de partenariat pour nous permettre que monde capable d'utiliser téléphone yo pour yo payer. Et là, nous en phase d'intégration, son contrat que nous signons en décembre, nous en phase d'intégration pour que le service soit disponible dans une ou deux mois qui viennent. OK. Et donc, en fait, moi, j'ai une autre question contingent plus sentimentale dans le moment que nous vivons. Je me pose dans la période que nous y sommes. En fait, moi, j'ai deux personnes qui voulaient demander, un auditeur qui m'a demandé, si j'ai besoin de chocolat by madame moi qu'à l'étranger, est-ce que je peux servir à One Click? Définitivement, nous voyons, nous introduisons tout le monde, téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent l'émission ça à Kounia. Montez sur la page Facebook ou bien montez sur le site internet oneclicktobuy.ht. Nous avons que nous avons une belle promotion pour la Saint-Valentin qui pourrait permettre que vous voyez fleurs, vous voyez cadeaux pour les amis, pour les familles, pour les gens, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. C'est ça que je veux dire. Je veux qui voulait voir chocolat pour madame à l'étranger. Je veux qui voulait voir chocolat depuis New York. Justement. Mais depuis New York, est-ce que le possible qu'on y ait? Il a seulement téléchargé l'application sur téléphone. Rapidement, parce que c'est demain que Saint-Valentin. Justement, et livraison a fait à domicile demain. À travers un code de crédit qu'on y a, parce qu'il n'y a pas qu'à payer avec, il n'y a pas qu'à payer avec Natcom. Justement, justement. Donc, il est obligé d'avoir un code de crédit. Pour c'est ça? Capable de faire transaction, oui, oui. OK, très bien. Donc, pour Natcom, ça va prendre nous 2 mois encore pour nous finir le processus d'intégration, pour nous tester la plateforme, pour nous assurer que tout bagaille bien marché. À partir de ce moment, nous allons lancer le bail population que OneClick disponible définitivement sur Natcom pour les paiements. Il y a un monde qui dit, est-ce que vous avez une adresse là encore? www.oneclick.ht. Donc, il faut commencer par ça pour être capable d'acheter. Non. Pour un monde acheter, il a seulement besoin de monter sur Google Play, taper One Click to Buy, ou bien monter sur Apple Store, taper One Click to Buy et télécharger l'application sous téléphone. Donc, on répond moi là, quand l'auditeur qui m'a dit, est-ce que c'est téléphone Android seulement? Tous les deux. Que ce soit Android sous Google Play, que ce soit un téléphone Apple sous Apple Store. Tous les deux téléphones, tous les deux systèmes disponibles pour OneClick. Donc, le monde qui prend l'acheter, elle sous Google. Google Play, ou bien télécharger l'application, ou bien là sous Apple Store, il télécharger l'application. Par contre, le monde qui veut vendre, il faut qu'il monte sous site www.oneclick.ht pour le remplir formulaire et puis n'a servi, n'a fait suivi avec lui. Ou bientôt, les cas, voyons email dans info@oneclick.ht. Donc, c'est deux adresses différentes. Hein? C'est une adresse pour acheter,
son adresse pour qu'à vendre, pour acheter, ou sur Google Play ou Apple Store, si vous voulez vendre, ou sur www.oneclick.com. Juste oneclick.ht. Oui, naturellement, parce que si c'est produit à ici, seulement à vendre. C'est un produit local, c'est un service local, nous sommes entreprise locale, donc nous c'est www.oneclick.ht. OK, très bien. Par contre, moi j'ai une question qui est très importante. Est-ce que OneClick charge un com le la vente produit service ça en fait? Est-ce que un prélèvement qui fait sous pendant mon n'a acheté? Pour acheter, faut payer. Donc OneClick et gagne prix de base tout produit selon que commerçant estime prix. Bien entendu, nous charger un frais de livraison qui est très très abordable et nous charger la TCA qui c'est taxe que DGI réclamait et pour encourager commerçants justement payer DGI TCA. Donc et prélèvement que nous fait c'est justement prix produit à TCA et frais de livraison. C'est très bien. Et il y a un auditeur qui m'a dit est-ce que vous allez déposer coblan sous compte OneClick directement non. Puis vous acheter? Non. N'a parlé de commerce mobile et encore n'a parlé de e-commerce. Toute facilité que OneClick offre, c'est le fait que client qui a utilisé là, utilisateur OneClick là, pas déplacé. Et c'est ça que nous voulons que le public là comprenne. Commerce électronique permet que, sans pas déplacer, sans pas limité par zone, par espace géographique que vous situez là, ou capable à partir de l'application, hein, fait transaction. Mais et c'est ça qui toute la différence. Parce que, pas oublier, il y a des concurrents de commerce électronique, si vous voulez. Il y a des concurrents de commerce mobile, ça, de commerce et en ligne. Ça, au fait, c'est que vous n'avez pas pour faire. Vous obligé de déplacer à le payer avec un outil de paiement. Vous obligé de déplacer à le chercher pour Dieu. Là. Ça, on clique permet lui-même, lui permet que dans confort, nous assurons que les clients OneClick, c'est des privilégiés. Puisque vous dites que les clients sont rois, et bien dans le royaume OneClick, les clients ne sont pas déplacés. Très bien. Mais est-ce que nous ne pouvons pas jouer une solution pour les auditeurs? Par exemple, il a déposé comme sur le téléphone ni dans deux mois. Justement. En lieu et place que le déposer sous compte. Parce que s'il déposait sur le téléphone, sous minute téléphone, ni, c'est comme s'il était déposé sous compte OneClick. Justement. À ce moment-là, il servait avec. Mais est-ce que vous ne pouvez pas servir à minute ça? Parce que nous entendons souvent que vous prenez une minute ou vous mettez tant de minutes et puis il disparaît. Non, alors, fait. Il faut que nous comprenions top-up là à plusieurs niveaux. Un client qui pral automatiquement que nous disponible, qui pral mettre cob sous compte téléphone pour le faire achat sur OneClick, li pral mettre sous compte particulier, le la fait top top li là pour là, li dit la mettre là pour là pour le acheter. Et à ce moment, il pral aller avec un code spécifique pour renflouer compte li pour le faire transaction ça. Et pas oublier, OneClick Industries son compagnie technologique et c'est meilleure compagnie technologique qui spécialisée dans le commerce électronique. Jodia n'a pu utiliser une application mobile à travers des cartes bancaires. Plus tard, nous pral à travers des top-up, ça nous les crédits qu'on a bien sous téléphone. Et plus tard, nous pral à travers des intégrations. Donc très bientôt, selon banque ou utilisé, on est capable d'utiliser OneClick avec des applications très protégé qui pourrait permettre que transactions soient faites de manière automatique, de manière très, on t'a dit à la pointe de la technologie, gens ça fait dans pays étranger. Exactement. Donc n'a mené technologie à bay population haïtienne au fur et à mesure et nous pourrait aller très en avant, nous pourrait aller au pas avec la technologie. Donc en fait question une réponse qui est simple. C'est la même question ça parce que gon l'autre auditeur qui m'a demandé si m'a une carte de crédit est-ce que m'ka acheter dans OneClick. Oui, ou ka acheter, yo répété le déjà en fait. Mais c'est pas préoccupation pour aller déposer l'argent sur un compte en banque. Parce qu'on gagne l'autre outil à travers téléphone nous. Si l'argent sur téléphone nous, c'est comme si on déposer sur compte OneClick. Moyennant que ou gon jan pour servir avec qui c'est comme si ou tirer minute sous lui. Donc oui, il est possible ou pas déposer sous compte OneClick, on va déposer sous compte comme non et puis on observer avec au fur et à mesure. Donc en fait, c'est un peu ça. Moi, j'ai une question qui est assez particulière, qui est très important. Il dit est-ce qu'on malheureux qu'a prend chance pour rentrer dans OneClick?
justement. Et là où ouvert on l'autre porte de One Click Industrie. Pas oublier que One Click, application One Click là, sont produits de One Click Industrie. Jodi a One Click Industrie a travaillé sur Santa Carilé inclusion financière grâce à la technologie. Dans le début de l'émission, nous dit que selon les données que nous gagnons de Conatel, gagnons plus passé 7 millions de téléphones en Haïti. Et dans la totalité, ça a seulement 1,6 million qui sont des smartphones. Donc, prochaine approche, nous, et ça nous travaille actuellement dans Cuisine One Click, c'est pour nous capables de faciliter l'intégration financière grâce à la technologie. Ceci étant dit, je dis à faut qu'on sur Google Play, faut qu'on sur Apple Store pour télécharger une application pour capable utiliser One Click. Plus tard, grâce à partenariat ça que nous avons développé avec opérateur mobile ça, nous prenons en mesure de offrir des services qui pourraient permettre que avec des codes bien simples de 3 chiffres, de 4 chiffres, ou à peu entrer dans la plateforme pour payer des services, pour faire des commandes à travers OneClick. Donc, OneClick, d'ici été 2017, n'est pas seulement une application mobile, mais les pral surtout un système d'intégration de commerce mobile. Nous commençons avec une application. Et nous pourrons permettre que plus tard, à travers des codes USSD, que des gens qui ont un téléphone et des MPZ, capables en mesure pour gagner accès avec des transactions via la plateforme OneClick. Donc, on a le reste qui a pour une chance. Définitivement. Donc, je dis à n'importe qui qui a un téléphone mobile, qui sont smartphones, les cas télécharger l'application OneClick sous lui. Mais plus tard, OneClick, c'est pour la plateforme incontournable là, pour moun acheter, pour moun payer service sans yo pas déplacer à travers téléphone. Et lundi à travers téléphone, ça pral vle di quitte son smartphone, quitte son EDMPZ, on moun k ap viv an Haiti a gen accès pour acheter des services, a gen accès pour acheter des produits, a gen accès pour acheter de biens et pour payer des services à travers téléphone qui nan men la. Très bien. Le mot de la fin, en pile causé, nous pas jamais d'aka fini. Nous connaissons que nous prenons regon l'autre émission sur One Click parce que vous faites dire nous que très bientôt, il y a l'autre causé qui a fini. Donc, faut nous continuer à parler de ça. Le très bientôt a fini, il faut qu'on retourne sur le plateau pour parler nous de qui ça fait paraître ou qui ça continue à paraître tout. Le mot de la fin, Frédéric Pierre, qui ça nous a dit, auditeurs et téléspectateurs, pour vous faire avec One Click et qui sont invités au fait. Justement, merci encore une fois et nous. Remercier l'initiative ça c'est Business Spam qui ouvert une plateforme pour permettre que entrepreneurs permettre que commerçants capables exposer produits et services et au niveau de One Click Industrie nous c'est une compagnie de technologie qui crée des applications des solutions sur mesure pour des commerces ça veut dire un entrepreneur une organisation qui besoin développer en solution technologique, quel que soit type lié, que ce soit sécurité, que ce soit développement de site web, que ce soit développement d'applications ou bien de solutions spécifiques, OneClick, c'est meilleur partenaire. Quel que soit commerçant qui voulait ouvrir espace de marché, qui ne voulait pas limiter dans la zone géographique, li, côté que client pral prend blocus, client pral gen problème pour arriver dans le magasin, eh bien, inscrit sur OneClick, et n'a mettez produit en valeur by plus que 1,6 million de monde qui capable acheter sur OneClick. Enfin, OneClick to buy, c'est première application mobile que Haïti gagne qui permet que monde capable acheter produit, payer service à travers téléphone yo. Jodi a nous utiliser des cartes bancaires pour capable faciliter transaction sur OneClick. Très bientôt, nous avons gagné, grâce à l'opérateur mobile Natcom, possibilité pour que on soit capable de payer avec crédit que nous avons gagné sous téléphone. Et plus tard, nous avons gagné une intégration qui pourrait permettre que des services disponibles sous plateforme téléphone
que ou ap capable de payer via un clic sans pas besoin de gagner un smartphone. Ça veut dire un monde qui gagne des MPZ, qui pral besoin de payer l'école petit, qui pral besoin acheter une série de services, une série de produits, il y a qu'à utiliser des codes sous téléphone pour permettre que transaction ça yo réalisé. Enfin, demain c'est 14 février, commander chocolat, commander fleurs, commander cadeaux sous one click. C'est facile, monter sur Google Play, monter sur Apple Store, juste taper one click to buy. O-N-E-C-L-I-C-K, chiffre 2, B-U-Y. Ou après, belle icône bleue et vert apparaît sur l'écran téléphone, téléchargez-le et puis rentrez dans le monde One Click là pour que désormais, en réalité, client tourne roi en Haïti. Merci un peu, Frédéric Pierre. Donc, je ne crois que nous avons trop causé pour m'ajouter. N'empêche que nous avons invité qui est venu sur le plateau, hein, qui te dit si nous pas à jouer une technologie, technologie a attrapé nous et s'il a attrapé nous, il a fait nous plus tôt en fait, plutôt nous marcher tranquillement, n'a joindre. Donc m'inviter auditeurs et téléspectateurs, entrepreneurs particulièrement pour yo approcher de système de plateforme ça pour ouvrir un petit peu plus son marché d'une façon ou d'une autre. Technologie a pas avancé d'une façon ou d'une autre, chaque jour mon a chercher plus confort pour réaliser transactions d'une façon ou d'une autre. Chaque jour mon a cherché faire ça yo gain pour faire plus rapide son monde kounia qui instantané, c'est tout de suite ou faire toute bagaille, c'est tout de suite ou jeune toute information. Donc kounia c'est tout de suite ou acheter son besoin et c'est tout de suite ou attendre livrer le bar auto. Donc entrepreneur qui attendé ça c'est business spam, m'inviter yo, approcher yo, monter sur site one click là et garder pour voir qui gens yo ka gain possibilité pour yo offrir service, pour offrir produits, particulièrement entrepreneurs locaux. Nous t'ai invité agriculture en pile. Moun qui a vivre en dehors, qui gagne bon produit créole, bon produit local, local, rentrer sur site one click là, nous gagne une plateforme qui pral offrir by pays l'autre bord de l'eau à des prix très raisonnables. N'a pour retourner à one click, gagne pile question nous pas répondre. One click après le travail tout pour développer un pile l'autre produit. N'a tourné non l'autre émission à one click, restez branché. M'a souhaité nous de joyeuses fêtes de Saint-Valentin, changer gon promotion sur one click, nous ca monter pour acheter chocolat, pour nous voyer fleurs, pour nous voyer ça nous voulez. Merci en pile pour attention nous te gagne pour nous aujourd'hui. Moi souhaité nous de bonnes fêtes de carnaval avec un pile prudence, profiter de fête yo de façon modérée. À très bientôt et comme toujours, c'est un plaisir pour nous de rentrer la caille aujourd'hui. Yeah, pépé, mais business spam, boss. Ça, c'est business spam, ni. Ça, c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Jégadé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça, c'est business spam. En émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita palais, boukante expérience ak lot businessman ki nan peyi a, et sa de business spam se yon zouti dialogue entre entrepreneur ak l'état, entrepreneur ki nan peyi a, si la yo ki nan diaspora, citoyen, femme, kou gason. De pou nan business ou vle fè business, nou evito koute et gade sou Radio Téléguinée. Chak lundi, soti 6h tapan pour 7h. Ça c'est business spam, c'est seule émission Capedo Kwapi la misère.